frustration en sortant de ce match après une aussi courte défaite? Clairement. Après, on peut pas leur enlever leur victoire. Hein. Ils ont été très réalistes, mais oui, c'est vrai qu'on a pas mal de frustrations. Déjà, perdre 2 points, c'est comme, enfin, tu peux gagner, quoi. Tant que t'es à moins de 3 points, tu peux gagner le match, c'est la même chose. Donc oui, pas mal de frustrations, mais c'est le jeu après. Au-delà de ce match avec l'effet de joueur du trou, qu'est-ce qui vous manque sur cette fin de rencontre pour gagner, quoi? Je pense vraiment c'est la sérénité. On a la mi-temps à plus 6 et sur la deuxième mi-temps il n'y a pas énormément de vent et je pense que vraiment c'est la sérénité qui nous manque. Ils font de bonnes actions, ils traversent bien. Après nous je pense qu'on a une autre action aussi et qu'on n'a pas réussi à les concrétiser et sûrement un peu d'affolement de notre part et comme je dis un manque de sérénité. En début de deuxième mi-temps ça a été un petit peu plus poussif, quoi. On a eu l'impression que vous avez eu du mal à vous adapter, est-ce que c'était le vent, est-ce que... Non, je pense pas. Je pense que comme j'ai dit avant, je pense que c'est de la sérénité, c'est juste sortie de mi-temps, peut-être on s'est pas remis dedans correctement peut-être. Après je pense qu'ils nous ont mis la pression qu'il fallait aussi pour qu'on déjoue un peu. Il n'y a pas eu que du négatif sur cette partie? Non, c'est ce qu'on s'est dit un peu dans le vestiaire, c'est qu'on perd face à une équipe qui joue le haut, très haut de tableau, je dirais, et même si on est à la maison, on perd que 2 points, et on fait pas un mauvais match, on a fait de belles actions quand même, je pense, et c'est juste un manque de finition, mais on reste assez confiant sur notre système, on garde la même confiance, on va pas tout remettre en cause pour un match perdu de 2 points. Sans tout remettre en cause, contemplement, ça fait un joker de briller sur l'année, quoi. Clairement. Après, à nous de le récupérer à l'extérieur sur un match. On a l'année est longue, mais voilà, on perd un match à la maison, il faut le récupérer à l'extérieur. Donc c'est ce qu'on essaiera de faire dans les prochains jours. Pourquoi pas à Colomiers? Pourquoi pas? Après, on verra. Un petit peu de match de quand même à grandir, non? Exactement. Je pense que même si voilà, on perd de 2 points, mais c'est une très très belle équipe. Et ils nous ont montré un peu le... Ils nous montrent ce que c'est une belle équipe, mais nous, vu qu'on a, on a quand même bien rivalisé. Et je pense que justement, faut qu'on se mette ça en tête, qu'on est une équipe qui n'a pas forcément qu'un potentiel ou quoi. C'est qu'on peut être pas mauvais et à nous de prendre confiance en notre niveau et à continuer des belles performances. Merci.